admirer ce magnifique spécimen britannique. Splendide. À propos de britannique, où en êtes-vous avec, qui vous savez, au point mort, je l'ai toujours en pension pratique, hein. Je voulais l'envoyer à la danse de la Garenne, mais les filles n'ont jamais voulu. Sans doute veulent-elles l'avoir près d'elle pour parfaire le rentrée. Voilà 3 mois qui m'ont dit dans la cave. Hein. Les champignons vont finir par lui bouger tous les bras. On est à la merci du gars, d'une fouille de ratin, d'un mot malheureux. Et les résistants ne peuvent pas vous aider. Portez-vous cela quand il s'agit de prendre des risques, ben ils le laissent bien aux autres. Hein. Nous avons essayé de contacter le colonel Petit, mais... Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien, absolument rien. C'est sans doute parce qu'il ne peut pas. Que voulez-vous avec l'invasion de la zone sud? Ben, les réseaux sont surchargés, désorganisés. Le réseau du Guéclin comme les autres. Et faire passer quelqu'un en Angleterre est devenu très difficile. Mais comment fait tout ça, toi? Je le sais, c'est tout. Et ce ne serait pas une information... laïque par hasard? Si, c'est mademoiselle Richemont. Qu'elle a dit. C'est ton ciel qui l'a. Tais-toi, idiote. Il y a pris contact avec le réseau du guetta du colonel Petit. Elle devrait être plus discrète. Hein. Tout le monde sait qu'elle a parti lié avec le maquis. C'est ce qu'à croire qu'il y a craqué qu'il ignore. En tout cas, moi, je l'ai toujours sur les bras, le mangeur de pudding. Et que je te gâche, et que je te l'habille, et que je te louisse. Bon moi, tous. Ah ben, quand on parle du loup... Je vous apporte la bonne nouvelle. Ah ben, ça, c'est un comble, alors. Excusez-moi, je voudrais me déporter volontairement. Seigneur, pardonnez-lui encore une fois. Laissez-le donc où il est, celui-là. Écoutez plutôt. Le réseau du déclin en charge notre parachutiste. Ne pourra passer en Angleterre. J'ai eu la confirmation du colonel Betty. Vous le connaissez donc? Non, pas du tout. Moi, je n'ai eu qu'une information par un clerc qui lui ne connaît pas. Que de mystère. Il le faut. C'est ça le cloisonnement. Ainsi, si un maillon de la chaîne tombe, eh bien, il ne met pas en danger le reste du réseau. Bref, il part quand, machin? Ce soir. Ah, ce soir? Oui, ce soir. Tenez, ma petite Johnny, vous lui remettrez ceci. Ce sont les instructions qu'il devra suivre, d'accord? Bon, ben, moi, je me sauve, hein. Je reviendrai le chercher tout à l'heure. Mais faites en sorte qu'il soit prêt. Eh bien, on va arroser ça, hein. Ah bon, d'accord. Janine, ma petite fille, c'est à nous. Il semblerait que son départ ne réjouisse pas tout le monde. Oui, non, enfin, bon, ben, je vais le venir, allez. Mais quoi? Je crois qu'elle est...
Je crois qu'il est amoureuse. Voilà, allez. Au revoir. Amoureuse, amoureuse. Odile est amoureuse. Oh là 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 là, ne t'affole pas, mon Firmin. Ne t'affole pas. Monsieur le curé a dit, je ne devrais pas te dire. Surtout pas toi. Pourquoi pas moi? Mais oui, pourquoi? Pas parce que c'est de moi qu'elle est amoureuse, très bien. Et c'est à elle de me le dire. Oh, youpi, youra, je suis le nitron le plus heureux de toute la terre. Oh, mais c'est toi qui hurle comme ça, ça va pas mieux, non? Ah, mais dans mes bras, papa, dans mes bras. Papa, veux-tu me lâcher, oui? Serre-toi un canon et calme-toi. Odile, Odile, descends, il veut-tu en voir? Vous êtes bien brave, beau papa, mais je veux simplement lui dire bonjour. Il est gentil, Raoult, mais il y a des fois, mais je me demande si vous comprenez à tout. Bon, la voilà qui arrive. Bon, ben, je vais lui faire une surprise. Elle adore ça, les surprises. Évidemment que je suis là. Dépêche-toi, le temps presse. Eh ben, mon vieux. Le rouspif. Si j'avais su hier soir, je serais resté plus longtemps. Oh non, 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 non. C'est que... Hier soir, j'ai passé la meilleure soirée de mon vie. C'est vrai? Fantastique! Je n'ai jamais passé une nuit aussi wonderful avec un fille. C'était comme une merveilleuse voyage. On s'enlaçait sur le plat océan. On planait sur les terres hautes de Scotland. Et puis c'était la plaisir avant le calme du Méditerranée. Et ça repartait pour les chutes du Niagara. En tout cas, je n'ai jamais connu une fille pareille. Des yeux, une sinus pauvre, un tempérament de feu. Wonderful! Tu exagères. Oh, tous les Écossais exagèrent. Sauf lorsqu'ils parlent d'argent. Oh, je vais devoir partir avec le joie dans le cœur. Oh! Commando dans sa majesté, entraîné, expérimenté.
je pourrais te massacrer avec deux doigts. Voilà. Arrête ton fils, voilà. Bon. Tant pis pour toi. Si tu y tiens, mais je vais quand même te laisser une small chance. Tu vas le premier et je réponds après. D'accord, si tu veux. Ok, tu es prêt? Elle la prouve-le.
non? Oui, oui, j'en suis sûr. Allez, on rase tous, c'est la tornée par forcer la Gestapo, allez. Oh, mais pas pour les enfants, voyons. Et puis arrêtez de rire ainsi. Je suis un être extrêmement sensible, moi. Et lui aussi, d'ailleurs, n'est-ce pas, mon ange? Erratum! Qu'a-t-il? Votre plan fonctionne à merveille, Erratum. Nous en tenons un, ou plutôt une. Décidément, c'est une bonne journée. Et vous êtes sûr qu'elle est la résistance, au moins? Naturus! Nous avons découvert chez elle de nombreuses preuves de son appartenance au réseau du Déclin. Le réseau du Déclin? Mais non, rien ne la contrarie. Elle s'en moque du réseau du Guéclin. C'est connu, c'est tout. Oh. Qui a pu vous arrêter, Greta Schultz? L'institutrice. Non. Si, si. Mademoiselle Richebank. Depuis le temps que j'avais des soupçons, je l'ai enfin coincé. Maintenant que je la tiens, le réseau du Déclin et son colonel Petit n'ont qu'à compter les jours qui leur restent. Tout ou tard, elle parlera. Allez, viens, Schultz. Allons poser quelques questions à cette diable institutrice. Et je l'emmènerai personnellement à Rennes. Les spécialistes de la Gestapo. Clémence, suis-moi et admire mon triomphe. Tout de suite, mon César. Je serai ta vestale. Archie, il y a un problème.
Aïno, j'ai tout entendu. Jeannie, tu as les instructions qu'elle vient de laisser? Oui. Quatre chemins, virgule, 23, virgule, 30, virgule, 4 F, virgule, lent 1, virgule, 2, virgule, 1 point. Je comprends rien. Moi, je comprends. C'est la procédure habituelle. Les données. Vous connaissez-vous un endroit appelé les quatre chemins? Oui, c'est un carrefour qui s'ouvre juste derrière les collines du Mondaire. Là. 23, 30. Il faut être d'abord à 20h30 pour allumer quatre feux, 4 F, pour baliser la piste et avoir un lampe pour le signal. Le signal? Yes! 1, 2, 1. Cours, long, cours. Un signal à qui? Un avion, sans doute? Yes, a plane. Quand il se voit, le envoie à 23h30. Précise, il n'atterrira que s'il va le signal. Mais il y a cette étoile qui attend aussi, lui, là. Il y a des Allemands partout, il faut l'aider. Il faut que tu l'emmènes dans le coffre de ton triporteur. Hein? Ah non. Pas mon triporteur. Non. Mais c'est l'idéal. Tu passes tous les contrôles sans aucun souci. Le matin de bonne heure, à l'heure de ma tournée. Oui, mais le soir, ils vont trouver ça louche. Eh bien, si tu es trop lâche pour le faire, prends-moi ton triporteur. Moi, je vais y aller. Non. Un triporteur, eh bien, c'est comme une femme. Ça se prête pas. On dit que je le ferai pas, hein. Football. Et on y va pas t'en rester plus, ça donne des chiens. Alors tu acceptes? Oui. Tu fais ta seule chance, hein. Évidemment. Oh ben tiens, mais vous le sauvez, votre rose bite, là. Il suffit d'emmener aux quatre chemins et d'allumer quatre feux. Et de faire le signal avec la lampe. Eh ben voyons. Et quand le planning est Terry, je saute dedans, lui et... Bye bye. Oui, et pendant ce temps-là, les Allemands, ils nous regarderont faire en se tapant sous le vent. Mais pas si vous arrêtez pile à l'heure et que vous allumez les feux au dernier moment. Ils n'auront pas le temps de réagir. Allez, Firmin, il faut se dépêcher. Il est déjà 22h45. Jeannine, est-ce que t'as la lampe? Ah oui, c'est prête. Là, c'est qu'il va falloir y appuyer sur les pédales. Il doit être plus lourd que Mimi, c'est ta faute, là. Bon, et ton triporteur, il est où? Devant la porte. Archie, tu es prêt? Yes, I am ready. Oui, allez, bon. Ouvre en route, là. Hey. En route, c'est bonne chance. Vous pourrez passer un petit message sur la BBC dès votre arrivée à Londres. Yes, je promets. Le message sera le sauce à la menthe est servi. OK? Dans le coffre, le baby. À ce mec, dans le temps, c'est pas le baby. Oh, à quoi vous prenez, ma chérie? Si tu l'avais vu commander, on aurait dit le colonel Betty.
Firmin, un chef courageux avec de l'allure. Oh, mais c'est un gag, hein. Mais c'est pourtant pas le moment de rigoler. Le quartier est grouille d'allemand. Et il paraît qu'ils vont doubler les patrouilles. Mais alors, si les patrouilles sont doublées, Archie et Firmin. Ah, ils ont toutes les chances de se faire arrêter. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Pétache. Contre, mais qu'est-ce que tu viens faire à une heure pareille, toi? Gratu est tellement content de sa prise qu'il a décidé de me laisser 2 jours de repos. Hein? Ça, il a voulu lui-même conduire Mademoiselle Richebente à Rennes. Cela signifie que Madeleine n'a pas parlé. C'est exact. Mais elle parlera. Tout tard, elle parlera. Je vous parie le contraire. Redites-toi. Et tout ça, je ne me dis pas ce que tu veux. Comme j'ai un peu de temps libre, si tu me le permets, Raoul, je voudrais... Tu voudrais quoi? Eh bien, voilà. Le colonel von Troppmann désire inviter Mademoiselle Odile au bal de la commandanture demain soir. Alors, je pensais que... Oh, tu penses trop, Greta, tu penses trop. Ça m'étonnerait que... Ce sera avec plaisir. Ah, il sera très honoré, Mademoiselle Odile. Il pourra me raconter ses exploits. Je passerai vous prendre vers 8h demain soir, voulez-vous? Oh, papa. Vos départs. Raoul, tu as une fille charmante. Je boirai volontiers à la santé à tous. Oh, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas un peu folle de t'afficher avec des boches? C'est le meilleur moyen d'avoir des renseignements sur le sort de Madeleine. Tu es complètement folle. Bon. Bon, allez, à la route. Rosette. Rosette. Un avion est venu récupérer 2 individus. Salut.